Monsieur le maire. Moi, je demande à la population de Breka l'union, qui se donne la main. On ne peut rien faire sans paix et sans union. Je les demande de se donner la main, de se pardonner entre eux. Dès que tu travailles avec une personne, un jour ou deux jours, il y aura des péchés entre vous. Qu'ils se pardonnent entre eux. C'est ce que je demande beaucoup. Qu'ils se pardonnent entre eux. C'est ce que je demande, surtout ça. Pour le développement d'un pays, quand il y a la paix, quand nous travaillons la main dans la main, tout ira bien. Bon, en termes de priorité aujourd'hui, qu'est-ce que le Breka a besoin pour le développement? Là, il faut les généraux et le maire qui pourra vous situer ça. Parce que moi, j'étais au camp. Alors, je suis venu à la préfecture. C'est monsieur le maire et messieurs les secrétaires généraux qui pourront vous dire ce que le Breka a besoin pour le monde. Monsieur le préfet, on parlait un peu pour la fête d'aujourd'hui. La fête d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Vous-même, vous nous voyez à l'œuvre. Vous nous voyez à l'œuvre et vous voyez tous les sous-préfets sont autour de moi. Ils sont venus pour l'assainissement de l'hôpital central. Monsieur le préfet, vous êtes des corps habillés et aujourd'hui, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Et on sait ce que les militaires ont fait pour l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que vous avez en tant que message qui peut provenir d'un agent ou d'un militaire, s'il vous plaît, au pouvoir? Les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous vous tendons la main de venir travailler avec nous. On est habillés pour vous, pas contre vous. Alors on vous tend la main pour que vous veniez, que nous travaillons la main dans la main. Demandez à M. le préfet d'accepter que des infrastructures qui ont été réalisées ou qui sont en train d'être réalisées, notamment la pose de la première pierre dans un marché à Soumania, ensuite la maison de fonction de l'hôpital moderne que nous avons construit à la faveur de l'Afrique, aussi six classes sous fonds propres que nous avons initiées qui aujourd'hui sont à 60%. Nous avons dit qu'au courant de la fête d'hier, il était donc important que M. le préfet, le nouveau préfet, voit ce que la commune a trouvé que l'autre côté. C'est pour ça que nous avons voulu donc accompagner la préfecture en montrant de vive voix, disons de façon concrète, ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas un mot, mais il faut le mettre par les actes. C'est par les actes donc, que nous avons estimé qu'il fallait donc voir ce que nous le message concernant la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, il y a 103 ans, nous avons proclamé notre indépendance. C'était le 2 octobre 1958. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Vous, d'ailleurs, journalistes, n'étiez pas nés. Alors, s'il faut le rappeler, nous avons été le premier ou l'un des premiers pays, ce jour-là,
à proclamer notre indépendance. C'est à l'image de ça que d'autres pays nous ont rejoints pour proclamer leur indépendance. Nous avons dit à la face du monde, devant le général de Gaulle à l'époque, que la Guinée préférait la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Alors, ce mot ou cette phrase a sonné comme un glas. Un glas dans la mémoire, dans l'esprit de tous les patriotes guinéens, de tous les panafricains. Et aujourd'hui, nous avons cette liberté. Mais, qu'à cela ne tienne, il ne s'agit pas d'avoir la liberté de se taire et s'asseoir. Il s'agit aussi de travailler. Il s'agit de travailler, il s'agit de faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Il s'agit de faire en sorte que notre pays connaisse le bonheur. Et c'est à cela que toutes les autorités aujourd'hui font que nous nous organisions, nous nous entendons pour que ce devenir soit merveilleux. Monsieur le maire, est-ce que la population de Doubreka sont attirée concernant pour la fête d'aujourd'hui, comme avant? Non. Vous savez, nous nous référons, disons, à ce que les autorités au plus haut niveau prennent comme décision en termes de manière de faire la fête. Cette année, vous savez ce qui s'est passé hier, le président de la République était en train de prêter son serment. Nous venons de rentrer dans une nouvelle ère en termes de gouvernance. Et donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que tout, la roue commence à tourner. Donc, on nous a dit que nous allons le faire dans le cadre de l'assainissement. Nous allons choisir des marchés ou des hôpitaux pour aller faire l'assainissement. C'est ce que nous avons fait à Doubreka. Je crois que les forces de l'ordre, aussi la population s'est réunie pour faire ce travail-là. Ça, c'est partout dans le pays. C'est ce qui a été dit. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas outrepasser ça. Wali Samane, il y a une mobilisation. Alors que vous avez un Séné, vous avez un Séné, vous avez un Séné, vous avez un Séné, vous avez un Séné. Donc, avant de voir Wali Samane, autant en Soumania, Yama, Guinée, Yimaché, Angar, Antifé. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous n'avons pas fini à Roubaix, autant en Soumania qui. Donc, nous n'avons pas fini à Roubaix. Donc, à part le Bissema, alors, il était surtout à tout finir Nyama, mon enfant Sinara, à tout finir Fina, Nara Nyama, le mec a rien à se gagner à Pui. Depuis à la fin, Nara Rina Naïda, Nakel Dak, Na Massey Nantou Naïda, avant mon développement, on mène à mes développements sous souris. On va vous féliciter, bravo.